de la courtoisie de la part des 7AM. Ah, la vue qui touche. Ok, d'accord, j'ai eu peur pendant un instant qu'on allait être touché à tout côté de cette Kaïssa. L'ulti de la part de Orb qui touche 3 personnes. Primal Willy qui va se prendre énormément de dégâts. Et on récupère l'ulti du côté de Diamond. Finalement, Orb qui va tomber. C'est par la hache. Oh. Et le snipe de Aim. La backlane des 7AM pour récupérer le kill et va terminer ce deuxième inhibiteur pendant que ce temps-là Vini a rejoint son équipe triple. Le Goïd sur sac qui va se faire impulser par le S9 qui va essayer d'entrer directement sur les pauvres membres des Brancheurs Gardiens. Il va venir chercher quand même l'aide à son jungler et directement deuxième tour récupéré par Sticky sur le groupe ulti de la part de Valyrian, ulti de la part de Mezagnar, double stun avec son Zed, Sabine, malheureusement un petit peu inutile là-dessus, il ne peut pas faire franchir, ce qu'elle survivra le temps de son n'est pas plus longtemps. Oh là là, Sag se suicide avec son outil de Rolex très très long. On va essayer de gérer quelque chose. Sadib récupère le kill sur le Rolex, Buki qui est extrêmement low qui va tomber. Sadib se met très bien, triple kill alors qu'on le croyait mort. Sadib quadra kill, Sadib, allez Pelle. Sadib, allez, pentakill, pentakill de Sadib. Malheureusement, ça a l'air d'un peu moins bien se passer du côté des Brancheurs Gardiens. Double kill récupéré par Valyrian. Pendant qu'on est coincé dans ce pic du Major, double kill récupéré par Sadib. Sadib est toujours en vie, cache également. Valyrian tombera souvent sous les coups des membres encore en vie des Brancheurs Gardiens. Non, BTS et Gen sont récupérés par Sadib. Sniper sera le suivant, l'ulti de la part de Phoenix sur le Rasmus, nulle part. Alors qu'on va se faire grâce à Devin Nightmare, on va faire un mec qui va se faire le Goïd de la part de Nikkeos qui va permettre de prendre des kills. Barrage va tenter de tamponner un petit peu. L'ulti de la part de Melvin va venir chercher la DC justement des Sector 1. Melvin qui va chercher Prime, Prime qui se fait grave par le support overshow des Hytra Esports. De la part de Pantheon, justement, de la part de Pac, on va aller chercher un petit peu l'agression sur la FS et le Overshot. La FS qui sera instantanément imposée, qui est fait de la part de Robin en réponse, qui est avant lui également présent. On va ulti hein, du côté de Robin, qui est avant lui qui va perdre sa monture dans l'ulti de Mordekaiser pendant que Lucia s'offre le kill sur Seitan. Récupérer de nouveau un kill du côté de Taour. Pac qui est seul contre tous, alors qu'on a également Pac qui est dans le back de la compo des Glorious Gaming. Qui voit les membres des Eman et qui va se faire coin par Taour. Roba tombera certainement sous les coups de Caitlyn et de Yoni. Deux kills récupérés là-dessus sur le Chase. Attend the finals. Buy your tickets today. Proximus, think possible.